Je suis très flatté d'être ici pour vous parler d'une expérience, plus exactement d'une inexpérience. Car en France, il n'était pas question d'un contrôle de constitutionnalité. Ce n'est pas dans notre culture, car la Révolution française a arraché la loi au souverain, au roi, pour le remettre aux représentants du peuple. Il n'était pas question que qui que ce soit contrôle la loi votée par les représentants du peuple. Vous savez que les cours constitutionnelles sont apparues en Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'on s'est rendu compte, notamment en Allemagne, qu'Hitler était arrivé au pouvoir par des voies légales, et qu'en Allemagne et en Italie, Hitler et Mussolini avaient été à l'origine de lois qui portaient atteinte à la dignité de l'homme, et personne ne pouvait, n'avait le pouvoir de dire « arrêtez, n'appliquez pas cette loi ». Elle porte atteinte aux droits et à la dignité de l'homme. Alors, je vais vous parler surtout du tribunal qu'on a aujourd'hui en Pologne. Je commence de souligner que la composition du tribunal, du juge, formation du tribunal est tout à fait différente qu'en France. Monsieur le Président a nié le fait d'être professeur. Par contre, en Pologne, sur 15 juges du tribunal, 12 ce sont les professeurs de droit. Alors, par contre, vous êtes un homme politique très connu de première page. En Pologne, c'est presque impensable que les politiciens, quelqu'un qui a joué le rôle en politique, soit élu au tribunal. Alors, je peux vous citer l'article 194 de notre Constitution qui dit que le tribunal constitutionnel est composé de 15 juges individuellement élus par le Seim. Alors, j'interviens en dernier pour présenter de manière assez brève l'expérience tunisienne. Monsieur Hurtaud signalait l'existence d'un conseil constitutionnel au cours de la période précédente. Effectivement, l'expérience a commencé sous l'ère Ben Ali. Il y avait un organe qui n'avait pas les mêmes pouvoirs, qui était mi-consultatif, mi-constitutionnel, quelques, disons, compétences limitées, un champ d'action réduit, mais qui a néanmoins produit certaines décisions publiées déjà à l'époque au journal officiel. Ces décisions existent dans les archives et peuvent être tout à fait intéressantes. Alors, actuellement, nous n'avons pas exactement une cour constitutionnelle, mais nous avons une instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi dont j'ai l'honneur de faire partie, ainsi que 5 autres membres, dont notre président par intérim est également présent dans la salle, Monsieur Faouzi Benhamed, qui est également premier président du tribunal administratif. Alors, cette instance a été le résultat de la nouvelle constitution du pays adoptée le 27 janvier 2014. Toute nouvelle constitution dont nous sommes un peu fiers quand même, parce que nous avons fini par l'élaborer au bout de presque 3 années postérieures à la révolution de 2011. Et le résultat, pour le moment, est relativement correct, même si nous sommes encore en train d'expérimenter les choses et que nous sommes justement en période de transition, comme justement l'intitulé de cette conférence débat. Alors, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas trop mécontents de notre nouveau texte constitutionnel? C'est parce qu'il a consacré de nombreux droits de l'homme, de la première, de la deuxième et même de la troisième génération. Nous avons constitutionnalisé le droit à l'eau, le droit à l'environnement, par exemple, hein, ce qui n'a pas encore été fait dans des États plus développés que le nôtre, éventuellement, et ce sont des droits qui ne peuvent pas être remis en cause selon l'article 49 de notre texte fondateur.